Alors maintenant, on va attaquer une problématique, celle des cercles tangents. Donc, on va chercher des cercles tangents à des cercles donnés. Et bien sûr, bon, on servira des équations de cercles, c'est-à-dire dans la géométrie analagmatique, on va essayer de se servir de cette forme quadratique, donc de cette playlist de vidéos que j'ai faite sur la géométrie analagmatique, même si on fera des rappels quand même pour que tout le monde puisse suivre. Je vais commencer par une question, juste pour se mettre en appétit. La question, c'est la suivante. Faut trouver, dans le plan évidemment, trois cercles CI, I de 1 à 3, tels qu'il existe exactement huit cercles tangents simultanément à ces trois cercles. Voilà. Hein, donc, bon, on peut imaginer quand on en a deux déjà. Vous voyez? Bon, bah on voit bien que quand il y en a deux, on a une famille à un paramètre au moins. Vous voyez? Ici, on a des cercles comme ceci. Là, voilà. Ici aussi, on en a de ce côté, de ce côté. On en a aussi comme ceci. Vous voyez un petit peu tout le champ des possibles, quoi. Voilà. Mais maintenant, quand on va rajouter un troisième cercle, et ben cette famille qui semble être une famille à un paramètre, voilà, à partir du moment où il y aura un troisième cercle, et ben, ça va limiter et la famille va être à zéro paramètre, c'est-à-dire la dimension zéro, hein. Et là, en fait, on tombe sur du dénombrement et on va avoir huit cercles. Voilà, on essaye et on part là-dessus. Essayez de réfléchir là-dessus et puis j'apporte tout de suite la solution. Alors, la recherche, elle a été simple là-dessus, c'est-à-dire que un cercle, c'est une droite dans la géométrie analagmatique. Donc, en voyant trois cercles, je me suis dit, le premier truc à faire, c'est prendre trois droites. Alors, trois droites, soit elles sont concourantes, voilà. Et là, je ne trouve pas de cercle. Ils sont peut-être cachés quelque part, mais bon, à mon avis, ils n'y sont pas. D'accord? Donc on voit qu'il n'y a pas toujours une solution. Mais ici, il semble qu'il y en ait zéro. Alors maintenant, on me dit, oui, c'est parce que je n'ai pas laissé assez d'espace ici. Vous voyez? Donc je vais ouvrir un petit peu et je vais prendre trois droites qui ne sont pas concourantes. Et là, qu'est-ce qu'il apparaît? Il apparaît un cercle au milieu, et puis trois cercles, donc en tout quatre, dans des régions particulières. En fait, maintenant, il va y avoir d'autres régions, et ces régions, malheureusement, on n'y trouve pas de cercle. Et je crois qu'on va se limiter à quatre cercles. Et en fait, si on réfléchit bien, c'est un peu logique. Là, il y avait une intersection de trois, il y avait trois droites concourantes, mais comme c'est des droites, elles passent par l'infini. Donc il y a un autre point de concourance, on va dire, simultané des trois droites. Et ici, on a encore un point de concourance, hein, c'est le point à l'infini. Donc, c'est embêtant. Et ce qu'on va faire, c'est maintenant, on voit que avec trois droites, on va pas s'en sortir. Donc, on va lâcher un peu du mou, on va prendre deux droites et un cercle. Et là, deux droites et un cercle, bien sûr, donc je vais prendre deux droites, les axes, hein, du plan complexe, et puis le cercle unité, ici. Et là, j'aurais pu faire autre chose, c'est-à-dire que on voit bien qu'il y a un problème topologique déjà dans un premier temps qui est derrière, c'est-à-dire comment on va placer le cercle quand on a deux droites, hein, comment on va placer le cercle? Est-ce qu'il va couper, hein, une droite, deux droites, d'accord, etc. Et de quelle manière il coupe? Donc là, il va couper, le cercle va bien couper les deux droites. Et là,
hein, puisqu'on a pris les deux axes et puis le cercle unité. Et bien là, on voit qu'il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, 1, il va falloir prouver qu'il y a bien 8 cercles, parce que là, on a fait juste des dessins, et puis trouver leurs équations. Et puis, deuxièmement, ben, résoudre le problème, parce que pour l'instant, on ne l'a pas fait, parce qu'on avait dit 3 cercles, on n'avait pas dit 3 cercles ou droite. D'accord? Alors, résoudre le problème. Alors, vous pouvez, je vous laisse y réfléchir un petit peu, et on va passer à la solution, bah, de 1 et de 2. On ne poussera pas les calculs jusqu'au bout, mais surtout pour 2, parce que, bon, voilà, je ne vais pas sortir toutes les équations, mais montrer comment on les calcule, quoi, hein. Voilà la réponse. On va trouver les équations des 8 cercles. Bon, sans aller jusqu'au bout, bon, parce qu'au bout d'un moment, on a compris, on peut laisser les machines se débrouiller. Enfin, si les machines le veulent bien. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. AX2 plus Y2 plus 2BX plus 2CY plus D égale 0. Voilà la forme générale d'une droite ou cercle, avec A différent de 0 si on veut que ce soit un vrai cercle, et A égale 0 si c'est une droite. Et donc, bon, ça c'était toute une histoire dans une playlist sur la géométrie analagmatique. À un cercle, on lui associe A, B, C, D dans R4. Mais ce n'est pas juste l'espace vectoriel R4, c'est l'espace vectoriel muni d'une forme quadratique, B2 plus C2 moins AD. Alors à quoi sert cette forme quadratique? Bah, à tester si c'est un vrai cercle, ou si c'est un cercle point, ou si c'est un cercle imaginaire. C'est un cercle qui est dans notre tête, quoi. Qui est dans notre tête, mais aussi qui est dans les complexes. Ici, c'est la forme B2, ici, donc à ce quadruplé, on associe B2 plus C2 moins AD, et il faut que ce soit strictement positif pour que ce soit un cercle. Si c'est nul, ben c'est un cercle réduit à un point, et si c'est négatif, ben c'est l'ensemble vide. Et à cette forme quadratique, on associe bien sûr la forme polaire qui va être BB' plus CC' moins AD' plus A'D sur 2, donc c'est vraiment la forme polaire. Bon, alors, quel est le rapport avec les cercles tangents? Ben, le rapport, c'est ce qu'on appelle l'invariant analagmatique. C et C' sont tangents, donc deux cercles qui vont être donnés par deux quadruplés U et U', hein, avec les... Voilà. Eh bien, ils sont tangents si et seulement si, ben, quand vous faites un dessin, vous voyez bien qu'il faut que R plus R' soit égal à oméga, oméga prime, ou oméga, oméga prime sont les centres des cercles C', et R, R', les rayons. Bon, alors ça, ce n'est pas vraiment algébrique, parce qu'il y a des racines carrées, donc on élève au carré, et on écrit tout ça en fonction des A, A', B, B'. Bon, ben, on l'a déjà fait, hein. Et on obtient, en fait, phi de U, U' est égal à Q de U, Q de U'. Voilà, c'est ça la condition nécessaire et suffisante pour que C et C' sont tangents. Alors, si on appelle phi de U, U' carré sur Q de U, Q de U' l'invariant analagmatique, ben, il faut qu'il soit égal à 1. Voilà. Alors maintenant, donc on va prendre un cercle qui va être tangent. On va essayer de chercher les 8 cercles tangents aux 3 cercles droites. C1, ben c'est le cercle unité X2 plus Y2 égale 1, donc 1, 0, 0, moins 1. C2, ben on va dire que c'est l'axe des Y, comme ça. Donc ça veut dire, on va prendre 2X égale 0, l'histoire de normaliser, pour avoir 0, 1, 0, 0, et l'autre c'est 0, 0, 1, 0, c'est l'axe des x. Voilà. Et donc on écrit nos équations. On va écrire
phi de u u prime carré égale q de u prime. On va prendre pour u prime bah, u1, u2 et u3. Et pour u, ceci. Alors, quand on va dire que c est tangent à c1, on va avoir immédiatement avec cette formule que a moins d carré, donc à cause de ceci, là ça va faire 0, le membre de gauche, donc on va avoir a moins d carré, là le sur 2 au carré ça fait 4, donc je multiplie par 4 de l'autre côté, ça fait 4b2 plus 4c2 moins 4ad, d'accord, à cause de ça. Et puis l'autre, ça fait 1, donc on ne le voit pas. Mais ce moins 4ad, on peut le passer de l'autre côté. Et là, ça va faire plus d ici, donc j'efface sur place. Maintenant, quand on va dire que c est tangent à c2, ben, on va avoir, ben, en fait, on va avoir b au carré ici. Et là, on va avoir b au carré plus c au carré moins ad. Donc, on va simplifier par b au carré, ça fait c carré est égal à ad. Et de l'autre, ça fait b2 égal à ad. Donc, c'est vraiment très simple. Et là, maintenant, je vais pouvoir éliminer un peu. Donc, b2, je le remplace par ad. Donc, ici, je vais avoir 8 ad. D'accord ? Avec le 2ad que j'ai à gauche, ça va faire moins 6 ad. Et... bah, comme tout ça, c'est homogène, hein, alors attention, hein, l'équation n'est pas unique, elle est à scalaire près. Donc, comme je cherche un cercle, je veux que A soit non nul, et donc je peux supposer que A égale 1, ce qui va simplifier un peu les calculs. Donc, je suppose A égale 1, et ici, ça va me donner donc D2 moins 6D plus 1 égale 0, ce qui a pour solution D égale soit 3 plus racine de 2, mais 3 plus racine de 2, c'est le carré de 1 plus racine de 2. Donc ça fait C comme A égale 1 ici. Hein. C est égal à plus ou moins 1 racine de 2. Et B pareil. D'accord ? Et si je prends l'autre solution, D égale 3 moins racine de 2, ben j'ai plus ou moins 1 moins racine de 2 et plus ou moins 1 moins racine de 2 ici. Donc on voit bien hein, que ces solutions, ça va correspondre, on en a bien 8. Et ça va bien correspondre aux 8 cercles hein, que l'on a ici. D'accord ? Donc 2 pour D, 2 pour C, 2 pour B, et on a normalisé avec A égale 1. Alors attention, est-ce que ce sont bien des cercles ? On cherchait 8 cercles. Donc il faut que B2 plus C2 moins AD soit positif. D'accord ? Quand on a trouvé ça. Mais on voit bien, tout à l'heure, on avait ça, moins 4AD, ici, tout à l'heure. D'accord ? Donc, B2 plus C2 moins AD, si ça vérifie bien l'équation, bah, c'est bien positif, hein, puisque c'est un carré. Donc, on est sûr de trouver des vrais cercles. Hein. Je vous rappelle qu'il ne suffit pas d'avoir un quadruplé pour avoir un cercle. Et c'est pour ça qu'on a introduit cette forme quadratique et ensuite sa forme polaire. Voilà, donc on a trouvé 8 cercles. On n'est pas tout à fait allé jusqu'au bout, mais là, on a les équations, puisque avoir les équations, c'est avoir ABCD. Hein, donc là, on les a. Bon, je ne les ai juste pas disposés. Maintenant, comment je vais faire pour résoudre le problème? Parce que le problème, c'était de trouver 3 cercles et 8 cercles tangents. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.